Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Samson Kambilé a dénoncé les faux frais de justice qui ont cours dans le milieu ce jeudi 30 décembre 2021. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Samson Kambilé était face aux chefs des juridictions et des parquets pour la remise de matériel roulant et de bureaux. Saisissant cette opportunité, il souhaitait remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne les coûts des frais de justice en Côte d'Ivoire. Une sévère mise en garde, Samson Kambilé veut en découdre avec les faux frais de justice. Et pour cela, il met en garde tout le personnel des juridictions. En commençant par les premiers responsables, à savoir les magistrats tous grades confondus. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire acte de justice, de nouveaux imprimés numérisés pour lutter contre la fraude, je serai sans pitié vis-à-vis des collègues qui vont chercher à couvrir les auteurs de ces mauvaises pratiques qui dégradent l'image de la justice, a-t-il déclaré lors de son allocution devant un parterre de magistrats et personnels de la justice. Conscient du travail qu'abat ces hommes de loi, le garde des Sceaux leur a demandé quand même de travailler à réduire le délai des actes. Il a également invité les magistrats à s'impliquer dans cette lutte. J'engage donc tous les chefs de juridictions et les chefs de parquet à mener une lutte sans merci contre les fraudes. J'y veillerai personnellement, a-t-il appelé. Les mesures prises pour changer la perception de l'image de la justice, je tiens à vous demander humblement à faire un effort supplémentaire pour changer la perception que nos populations ont de la justice. C'est un effort à faire, a insisté le ministre de la Justice. C'est un effort à faire, il a par ailleurs engagé ses chefs de juridictions et de parquets à aller plus loin dans la lutte contre les faux frais en prenant des mesures idoines. L'affichage des coûts des actes judiciaires en des endroits accessibles à tous ainsi que la création au sein des parquets des services dédiés à la réception et au traitement diligent des plaintes et dénonciations se rapportant à la perception des faux frais dans les juridictions nous permettront certainement d'y parvenir, a exigé Samson Kambilé. Il leur a demandé d'être accessible et à l'écoute des usagers des services publics. Selon le ministre Samson Kambilé, notre oreille attentive aux préoccupations de nos usagers et notre intolérance vis-à-vis des auteurs des mauvaises pratiques nous aideront assurément à changer l'image et la perception que les populations ont de notre justice. Un numéro vert a même été ouvert à cet effet.